tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la mise à jour du 24 avril, je crois. Donc aujourd'hui sont sortis 3 nouveaux Shin Kotig et des nouveautés pour les courses, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, arrivé où les Shin Kotig se trouvent, donc Sudoven à nouveau. Donc on va aller tous les voir. Normalement il y en a 3 nouveaux. Alors je sais pas du tout dans quel ordre ils l'ont mis. Ah et voilà. Donc si il y a il y en a un donc qui est Sabino, donc qui est voilà, il est comme ça. Moi je trouve assez beau. Et il a l'air d'avoir un œil bleu et un œil marron. Ensuite, il y a une petite palomino juste à côté. Voilà. Elle qui a les yeux marrons, j'ai l'impression. Et la dernière, qui a l'air d'avoir les mêmes couleurs que le tracteur sur l'application, voilà. Voilà, donc je vous dis lequel j'ai choisi et son petit nom. Je ne sais pas encore lequel je vais acheter, voilà. Mais je sais déjà le nom que je vais lui donner. Je pense sur la petite palomino. Alors, j'ai déjà le nom en tête. Donc, ça va être une femelle. Et donc, je vais l'appeler Blueberry. Donc, ce qui veut dire myrtille. Alors, le nom, j'avais choisi déjà par avance. Mais je ne savais pas encore lequel prendre. Voilà, donc ça va être la petite palomino que je vais appeler Blueberry. Voilà. Je vous retrouve tout de suite dès que je suis dans ma stabulation. Voilà. Arrivé dans ma stabule, donc je vais aller voir où est-ce qu'ils m'ont mis parce que j'ai vu les deux Shin Kotig normalement l'un des côtés de l'autre. Donc on va voir si normalement elle est bien là où je pense. Donc Blue Angel et Blueberry. Oui, elle est là. Oh, elle est trop belle. Franchement, j'avais déjà un craquage dessus dès le départ. Donc, j'ai juste envie de faire une carte d'amitié. Parce que moi, je la trouve trop mignonne. Franchement, elle est trop mignonne. Regardez ce petit bruit. Donc, voilà. Oh, elle est trop mignonne. Voilà. Donc, vous avez quitté, ce sera toujours celui que j'avais pour les compétitions. C'est-à-dire l'équipement style hiver, donc je n'ai qu'un seul équipement pour les compétitions. Enfin, c'est quand je vais entraîner plutôt. Donc l'équipement de départ. Mais sinon je trouverai peut-être un... Ah si, j'ai un ensemble qui pourrait lui aller peut-être. J'ai peut-être un ensemble qui pourrait lui aller. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Voilà un peu l'ensemble que j'ai trouvé pour... Blueberry, voilà ce que ça ressemble. Je suis juste en tenue, parce qu'après je vais aller entraîner, j'ai encore un cheval à entraîner niveau 10. Voilà, donc j'ai mis la seule sport jaune, je sais plus le nom exact. Donc c'est la seule d'élite de Kyljorvik, la boutte de sport jaune et le grand tapis soleil. Donc c'est un ensemble que je mettais mais il y a très longtemps. Et là que j'ai retrouvé et qui peut lui aller, franchement. Dis-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher un autre de mes chevaux parce qu'il faut que je termine sur l'entrée. Il faut que je termine. Il faut que je vois un truc. Et j'arrive tout de suite. La nouvelle. La deuxième mise à jour. Donc je suis sur West River. Là, c'est aussi j'ai changé de cheval. Donc, on va aller voir Steve parce que certains parcours de course ont changé. Je vous mettrai, je pense, en accéléré la partie où je fais la course. Donc, je vous dis à tout de suite. J'espère que vous aurez aimé toutes les nouveautés. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !